Salut à tous, c'est Apprenti Dog. On se retrouve les amis dans une toute nouvelle vidéo. Et oui, je reviens du travail, donc tout de suite je vous fais la vidéo de bah, comme là je suis de retour. Likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et c'est parti! Braché de Styrie à poil dur, un chien originaire de la frontière entre l'Autriche et la Slovénie, la Styrie. Un chien qui est reconnu officiellement par la Fédération internationale de cynophiles comme autrichien. Mais je vous ai trouvé le drapeau de la Styrie. Donc ne m'en voulez pas si je vous ai pas mis le bon drapeau. Voilà, et je vous mets l'état et le poids juste en 1870, Karl Pettinger, un industriel, commence à faire des croisements, justement le ELA1, ils ont appelé ça comme ça, entre une chienne du Hanovre, que je fais attention de bien articuler pour pas me tromper, et un chien courant du Styrie à poil dur. Et c'est là que ça a donné le braché qu'on connaît actuellement. Donc c'est un industriel qui voulait un chien créé par lui-même, on va dire pour son petit caprice personnel. Et les amis, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai fini là où je travaille, avec des animaux et tout, j'ai des tas de choses à vous raconter, aussi bien que pas bien, parce que vous le savez, moi je suis objectif, je vais pas mentir, vous dire oui, admettons, malgré que. En vrai, je suis objectif dans mes décisions, dans mes choix, dans mes dires, dans ce que je dis. Et de toute façon, vous verrez bien, j'ai appris des choses sur les animaux et tout ça. Je vous laisse la surprise, j'en dis pas plus parce que sinon je suis maladroit, je vais trop vous en dire. Donc n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram et Facebook. Et je vous souhaite une agréable soirée, les amis. C'était Apprenti Dog.